Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le démarrage d'une nouvelle aventure suivie dans le jeu Génération Zéro. Nous sommes actuellement sur la version la plus complète du titre, avec 10 DLC au compteur, bref, ça risque d'être assez fun. Nous allons sans plus tarder démarrer une nouvelle partie. Alors, nous allons sélectionner un personnage féminin. Voyons voir la tenue de départ. Nerd, non merci, métalleux non plus, militaire, ça me plaît bien. Rebelle, punk, rappeur, biker, populaire. Non, on va rester sur militaire, je pense. Type de visage. Non. Ah, celui-là est plutôt pas mal. On va garder ce visage-là. Difficulté escarmouche, ça m'a l'air d'être bien. On va tout laisser par défaut et on commence. Alors, nous voici arrivés en jeu. Donc, je joue au pad. Le jeu est toujours aussi beau. Alors, on va fouiller un maximum de choses. Bien évidemment, vous vous en doutez, je vais certainement passer à côté de certaines ressources. Inutile de me le dire en commentaire, hein. On est là pour apprécier le jeu à sa juste valeur, pas pour faire du 100%. Alors on retrouve cette ambiance vraiment très réussie, hein. Hop, on prend... Oula. Trousse de secours simple, parfait. Ok, un cadavre. On va tout prendre ici. Du textile. Tac. Oh, une batte de baseball. Ça, c'est pas mal. Ah ah! Est-ce que je peux m'approcher ou pas? Ok, c'est pris. Une dose d'adrénaline. Très bien. Oh! Petit sac à dos avec une nouvelle fois du textile. Pas mal tout ça, pas mal.
Alors en début de partie, on va y aller vraiment tranquillement. Oh, regardez ce petit chou à la crème. Yam yam. Ok, ce n'est absolument pas flippant. Oh, ça c'est très bon. J'essaye de regarder un maximum autour de moi. Alors, à l'étage, qu'est-ce qu'on a? Aha! Encore un peu d'adrénaline. Là, il n'y a rien de plus. Ici. Pas mal. Ok, tranquille. On avance prudemment. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour dans cette bicoque. Est-ce que je peux grimper sur le toit? Oui, bien sûr. Ça va me donner vraiment un très bon aperçu de la situation. Ok, là-bas, on a le véhicule de police. Par là-bas, on a la jetée. Avec pas mal de trucs à récupérer, certainement. Ça fait un petit peu haut, je vais peut-être pas tenter le diable. On va redescendre par ici. Allez. Courage, courage. Là, nous avons un petit cabanon. Fusée de détresse. Pourquoi pas? Du fil. De secours, c'est parfait. Ça, je ne peux pas l'ouvrir malheureusement. Ok, très bien. Alors, il va falloir que je me souvienne un petit peu des commandes. Voyons voir. D'accord, là c'est pour s'accroupir. Très bien. Je me rappelle que je peux fouiller un petit peu partout. Ok, encore une trousse de secours. Ici, du bois. De l'acier. Ouais, ouais, ouais. Ok. On a pas mal de véhicules dans le coin. Tous abandonnés, bien sûr. Oh, masque à gaz gris. On va le prendre.
Une batterie automobile. Ok, rien de plus. Alors, dans ce cabanon, qu'avons-nous ? Des munitions. Pas mal. Pas mal du tout. Encore une batterie. Dans le coffre, que dalle, malheureusement. Ok. Ok. Bon, on voit clairement que le pays a été attaqué par un ennemi assez dévastateur. Ok, ça, ça a été fouillé. On va avancer prudemment jusqu'au véhicule de police. Là, on a encore un véhicule. Fusée de détresse encore. Ah ah ah. Du bois. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? De l'acier, d'accord. On va s'approcher prudemment du véhicule. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? De l'acier. Donnez-moi des munitions. Ok, on a un cadavre. On prend tout. Ok, des munitions d'ACP. Hollow point. Bon, très bien. Le Müller PP, on va l'équiper. Voilà. Ok, j'ai 120 balles à l'intérieur. On va essayer de tout fouiller. Là, nous avons une aire de camping avec un feu de camp. Un seau. Il y a peut-être des trucs à prendre, non? On peut ouvrir la porte du tracteur. Malheureusement, il n'y a rien dedans. Ici. À l'arrière, rien de plus. Encore de l'acier.
Bien, bien, bien. Alors, au niveau de ma première quête, je dois localiser et détruire un ennemi. Donc, nous allons nous diriger vers ce dernier qui est là-bas. Ok, attention. Ok, il m'a vu. Allez, ne fuis pas. C'est bon, je l'ai eu. Ok, nickel. Parfait. Oh, attention! Ok, on en a un deuxième là-bas. Allez, recharge. C'est bon. Encore un de moins. Je n'ai quasiment plus de vie. Je vais devoir me soigner. Alors, où sont mes trousses de soins? Oulala, oulala. Allez, on se soigne. Vite, vite, vite. Une deuxième. Où est passé mon ennemi? La vache. Ah. Je prends trop cher, je prends trop cher. Allez, meurs. Ok, il me reste 4 PV. Allez, on se soigne. Encore, encore. Allez, je récupère quelques munitions. Je me souvenais absolument pas de la difficulté du jeu, hein. Ok, j'ai récupéré pas mal de mun. Ça, ça fait plaisir. Alors, on va grimper par là. Car ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut aller où on veut. Ah, je ne peux pas monter par là? Si. Si, bien sûr, ça passe. Alors, trouver un endroit sûr. On va essayer de trouver d'autres ennemis également. Je vais encore me soigner un petit coup. Voilà. Apparemment, je suis à court de trousses de secours. Techniquement, dans la forêt, je devrais être plus ou moins au calme. J'aperçois la route au loin. Oh, 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 oh. Ok, il m'a vu. On est en combat.
Oh, 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 oh. Ça fait mal. Attention. On va essayer de viser les réservoirs, mais ce n'est pas évident. Oh, ils vont vite. Ok, lui, il est mort. Ouh. Ok, c'est bon. Attention, attention. J'ai encore un ennemi dans le coin. Ok, combat remporté. Parfait. Je pensais pas rencontrer des robots dans la forêt. Il me reste 17 PV, ce qui est très peu. Je n'ai absolument plus rien pour me soigner. Ça, c'est très embêtant. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est la route, hein. Ouais, ouais, c'est la route. Attention, attention. On a un ennemi pas très loin d'ici. Si je reste discret, je pense que je peux peut-être éviter le combat. Car dans mon état, si je prends un coup, c'est la fin. Ok, j'aperçois l'ennemi droit devant. Ok, on va l'esquiver. Bien gentiment. Ok, il m'a vu. Dommage. J'aurais peut-être pas dû courir. Alors, où es-tu? Où es-tu, saloperie? Oh, wow, wow, wow. Ok, il y en a deux. Je dois fuir. Malheureusement. Il me reste 7 points de vie. Oh là là. C'est assez compliqué, hein. Oh, wow, wow, wow. Ok, je pense pas qu'il me lâche. Bon, je dois les distancer à tout prix. Allez, vite, vite, vite. Sauve-toi. Ils sont toujours à ma poursuite, là. Allez, 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 je peux les esquiver. Oula, 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 oula. Ok, j'ai retrouvé la route. Combat évité, ça c'est parfait. Wow. Je dois vite rejoindre le sanctuaire. Bon là, ça s'est vraiment accéléré à une vitesse de taré. Je pensais absolument pas faire face à autant d'ennemis. Oh, c'est chaud, hein. C'est hyper tendu. Ok, j'aperçois le sanctuaire. On va rester extrêmement prudent. Mon objectif principal, c'est de trouver des soins. Hein. Et surtout de me mettre à l'abri, de trouver des armes un peu plus percutantes. Et destructrice surtout. Alors. Il y a des bruits assez inquiétants.
Oh, attention, attention. On a des mechas qui patrouillent, ou je crois qu'il m'a vu. Ok, il continue de scanner la zone. Je vais faire le tour tranquillement, sans faire de bruit, sans faire de vagues. Je vais tenter de pénétrer dans l'église. Alors, est-ce que devant c'est dégagé? On dirait que oui. J'espère simplement qu'à l'intérieur de l'église, il n'y aura pas de méca. Allez, ferme la porte. Ok, on est bien. On est bien. Des munitions supplémentaires, ça c'est parfait. Une petite radio. Ok. Mission terminée, le sanctuaire, c'est parfait. Là, nous avons une station de recyclage. Ok. Un petit mot sur l'artisanat. Très bien. Très très bien. Un petit peu de bois. Ça a l'air d'être assez calme dans le coin. Je vais quand même grimper à l'étage. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Un petit fusil à pompe des familles. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, je n'ai pas beaucoup de munitions, donc je vais devoir les utiliser avec parcimonie. Ok, on n'a rien de plus par là, non. Alors, on va tout fouiller. Alors, un petit sac à dos avec une trousse de soins simple. Allez, allez. Encore une trousse de soins. Là, je dis oui. D'ailleurs, on va immédiatement se soigner. C'est gourmand, mais je prends les deux, hein. Je n'ai pas trop le choix. Alors, ici. Pantalon en jean rouge. Ok. Ok, j'entends du mouvement. Ah, ça c'est intéressant. Caisse de stockage. Oh. Est-ce que je peux prendre ça? Oui. Oh, regardez-moi ça. On peut tout prendre.
C'est parfait. Pistolet N9. Fusil de précision. Très bien. Un RLG 7. Rendez-vous compte. Donc ça, je reprends. Ça, je peux prendre. On va essayer de prendre un maximum de trucs. Fusil d'assaut N16. Ok. Ok, ils sont là. Attention, attention, ils scannent comme des malades. Ici, il y en a encore un petit sac. Alors, on va faire un petit point sur les armes. J'ai bien envie de tester. Ah, j'ai pris deux fois un N16. Quoique, on pourrait le tester peut-être. Est-ce que j'ai des munitions là-dedans? Non. Ah zut. Pas de munitions. C'est vraiment trop bête ça. Hein. Alors je peux ranger un N16. Ça aussi je peux ranger. Si je n'ai pas de munitions, c'est un petit peu dommage. Voyons voir. Là non plus, je n'ai pas de... Je n'ai pas de munitions, donc on va conserver le fusil à pompe. Et on va y aller. On va aller les affronter. Attention, les voilà. Oh la vache. Attention, attention. Lui, il est mort. Ok, ça touche. On a une bonne portée avec le fusil à pompe. Tiens. Tiens, meurs. Zut, loupé. J'ai fait le con. Attention, attention. C'est bon. Ouh, ouh, ouh. On y est. Ok. Je m'en suis plutôt bien sorti et je n'ai pas perdu une seule goutte de vie. Donc ça, c'est pas mal. Ici, est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Alors. Trousse de soins, parfait. Chemise en flanelle. Et on va retourner s'abriter dans l'église. Voilà. On est plutôt bien. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai des feux d'artifice. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir, mais... Pourquoi pas? Est-ce que j'ai tout fouillé par ici? Ok, ça m'a l'air d'être bon. Alors, voyons voir. Au niveau du profil. Accessoires pour les yeux. Est-ce que je pourrais pas mettre... des petites lunettes. Ça, c'est plutôt pas mal. Les en bleu. Jaune et noir. Noir et rouge. Ouais, comme ça, c'est pas mal.
Par contre, je n'ai plus que 3 bastos dans mon fusil à pompe. Du coup, on va peut-être changer d'arme. Comment on change d'arme? Ah voilà. Ok, c'est bon. On va pouvoir ressortir d'ici tranquillement. Je vais peut-être me soigner à fond. Voilà. Attention, un ennemi n'est pas très loin. Oh oh oh, en combat. J'ai été détecté. Oh oh oh, on se calme, on se calme. On va peut-être repasser par l'arrière. Ok. Où se cache-t-il? Ok, vu. Allez, viens par là. Ouf. Il y en a deux. Ouh là là, ça sent mauvais, si vous voulez mon avis. Ça craint, Max. Allez, meurs! Allez, meurs! Ça, c'est bon! Il en reste un. Ok, de deux. Wouhou! Superbe! Y'en a d'autres? Non, c'est bon. Parfait. Oh, une trousse de secours simple. Voilà qui est bon. Ok, ça reste tendu quand même au niveau des combats. Mais ça va. Oh, ça c'est très bon ça.
Des munitions, c'est très bon ça. Un petit peu de textile. Ok, ça a l'air d'être très calme. On a survécu, c'est l'essentiel. Bon, je pense que je vais faire le point, voir un petit peu ce que j'ai dans mon équipement. On va tenter de recycler certaines choses et puis je pense que je vais continuer d'avancer. Oh.